travail. Pour le bonheur de ses bien-aimés, travaillons donc pour notre bonheur. Travaillons dans sa joie. Ah, ah. Tu cries le travail. Des talents, il s'agit bien de nous. Toi et moi, mon frère, écoute bien ce message. Saint-Pierre de Gada-Mabanga dans le diocèse de Ngaoundéré. Nous avons profité de notre séjour pour recouvrir le séminaire annuel des évêques du Cameroun dans le diocèse de Ngaoundéré pour visiter cette paroisse où deux prêtres de l'archidiocèse de Douala ont la responsabilité de diriger le peuple de Dieu qui s'y trouve. Nous voulons donc vous faire visiter par cette vidéo les différents enfants qui fréquentent dans cette école ainsi que les maîtresses qui ont la responsabilité de l'éducation de ces enfants. Christ. De penser aussi à nous, à cette télévision. Et ici là, c'est une école qu'on a délocalisée. Et c'est un don japonais qu'on nous a offert. Et dans cette école, nous prenons les enfants de 3 à 5 ans. Donc 3 ans, c'est la petite section. Et 4 ans, la moyenne section. 5 ans, la grande section. Donc 3 ans là, ils vont faire 3 ans ici là. Et l'éducation que nous donnons aux enfants ici là, c'est une éducation intégrale. C'est une éducation intégrale dont tous les enfants sont appelés à suivre cette formation. Donc on ne distingue pas que ce soit l'handicap de l'enfant. Les enfants de 3 ans, bon, j'ai un peu jumelé avec 4 ans. Parce que les tout petits là ne parlent pas très bien, ils n'ont pas encore l'âge. Ici là, c'est la petite section, 3 ans. C'est moi-même qui tiens cette classe.
pour charger les places qui tiennent cette place. Bon, sur le plan spirituel, nous remercions vraiment les prêtres qui sont avec nous, surtout notre curé de la paroisse de Gadamabanga. Il nous soutient beaucoup avec son vicaire. Il nous soutient beaucoup sur le plan éducation. Donc on est en concertation et ils nous soutiennent. Et les messes, donc, nous on respecte leur programme d'après le diocèse. Donc il y a les messes qu'on organise à chaque mois dans nos écoles. On salue la télévision Veritas. On regarde là-bas la télé, on salue. Visite guidée à la paroisse Saint-Pierre de Gadamabanga en visitant les différentes structures qui sont implantées au sein de cette paroisse. Nous sommes maintenant à l'école primaire Saint-Pierre de Gadamabanga où nous allons passer tour à tour dans les différentes salles de classe pour vous présenter comment l'éducation est dispensée à ces enfants. Vous aurez aussi le plaisir d'écouter les enseignants qui ont la charge d'encadrer ces enfants et de les accompagner dans leur développement humain et intellectuel. Repos, revenez, repos, attention. Je suis vraiment très émue. Les mots me manquent pour vous remercier pour votre présence parmi nous. Nous sommes vraiment contents, mon équipe et moi. En ce qui concerne la divergence dans notre école, on ne refuse pas qu'il y ait des petits problèmes, mais avec la collaboration, ce qui nous anime ici, c'est la collaboration. Nous interpellons les parents, ensemble nous trouvons une solution. Lorsque peut-être ici, nous faisons la prière tous les matins et à la sortie des classes, lorsque nous prions ces enfants aussi, adopte la posture de la prière. Lors des associations, on nous donc les chrétiens prient au moment où peut-être on peut clôturer aussi la séance, on passe aussi la parole à une autre religion. Et c'est comme ça que ça se passe par ici. La difficulté que nous rencontrons ici, c'est le problème des bâtiments. Vous-même, vous voyez comment l'école est sollicitée, mais nous n'avons pas assez de bâtiments. Voilà la vraie difficulté parce que nous avons des effectifs pléthoriques. Donc c'est ce qui nous dérange. Autre chose, non, tout va bien. Une dizaine. 10 est égal à 0, unité, 1 dizaine. 10 est égal à
Les autres, vous faites quoi là? Est-ce que tout le monde parle? Oui. 0, 10 est égal à 0 unité, 1 dizaine. 10 est égal à 0 unité, 1 dizaine. On prend les ardoises. Rapidement. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Veritas, nous sommes ici à la paroisse Saint-Pierre de Gada Mabanga dans le diocèse de Ngaoundéré où exercent deux prêtres de l'archidiocèse de Douala. Nous profitons de notre séjour dans le cadre du 45e séminaire annuel des évêques du Cameroun pour vous présenter tour à tour cette paroisse où ces prêtres en mission venant de l'archidiocèse de Douala ont reçu la responsabilité de Mgr Emmanuel Abo de conduire le peuple de Dieu. Dans les instants qui suivent, vous allez découvrir l'étendue de cette paroisse, les différentes structures qui sont implantées, le presbytère où logent ces prêtres, les bureaux qui servent de cadre d'accueil, ainsi que la grotte mariale qui permet à ces chrétiens de développer une grande dévotion à la Vierge Marie. Moi, c'est Ndonfar Pierre-Marie. Je suis responsable de cette formation sanitaire catholique de Gada Mabanga. Il y a de cela un an exactement, oui, parce que j'ai pris fonction l'année passée, en janvier. Nous sommes exactement en janvier. Nous sommes déjà même trop fiers de vous accueillir chez nous. Suite au 45e séminaire des évêques du Cameroun. Donc vraiment, nous sommes fiers de vous accueillir dans notre structure. Merci beaucoup, monsieur. Nous offrons plusieurs services. Déjà, il y a le service de consultation. Nous avons ici déjà 3 bureaux de consultation curative en externe. Nous avons également le service de consultation prénatale. Nous recevons les femmes en consultation natale, en consultation prénatale. Nous recevons également, on a également le service de maternité où nous faisons accoucher les femmes enceintes. Déjà même, nous avons une moyenne de 45 accouchements par mois. Nous avons aussi le service de laboratoire. Oui, nous avons la pharmacie également. Donc, entre autres, voici quelques services que nous offrons ici dans notre formation sanitaire. Sans toutefois oublier, nous avons aussi le service de vaccination et les stratégies avancées également. Donc, nous parcourons environ même dans les 20 km de notre aire pour aller offrir les services de vaccination à nos populations. La population de l'aire de Gada Mabanga sollicite davantage notre hôpital et même des populations des autres aires environnantes
puisque nous recevons également d'autres populations qui viennent d'ailleurs. En l'occurrence, même hier, j'ai reçu une femme qui venait loin de la ville avec son monsieur. Il m'a demandé qui voudrait absolument le chef de centre. On lui a indiqué depuis centre-ville. Donc, nous recevons non seulement la population de l'aide de Gadamabanga et bien d'autres soeurs qui viennent d'ailleurs. Et nous avons aussi constaté que, vu la qualité de soins que nous offrons à nos populations, ils abanisent un peu les soins de la médecine traditionnelle. Oui, nous pouvons le dire cela. Et ça se voit même sur nos réalisations. Puisque cette année-ci, nous sommes quittés déjà au niveau des consultations. L'année passée, nous étions à 66%. Et pour cette année 2021, je veux parler de l'année 2020, nous étions à 66% des réalisations en ce qui concerne juste les consultations. Et cette année 2021, nous y sommes à 93%. Donc, nous pensons que les choses évoluent et que la population nous fait davantage confiance. Premièrement, je veux parler de l'accès qui est souvent difficile, principalement en saison pluvieuse. Vous allez voir, pour y arriver ici, la route, une grande partie de route n'est pas bitumée et il y a un peu de montée descente. Donc, ce qui fait qu'en saison pluvieuse, l'accès est vraiment très difficile. Ce qui fait que nous perdons davantage certains de nos patients qui préfèrent directement prendre la route où l'accès est un peu facile pour y arriver en ville. Donc, il y a ce point de l'accès difficile en saison pluvieuse. Et aussi, nous avons constaté aussi que la population, vu la position de notre formation sanitaire qui est un peu excentrée à la population phare de Gadamabanga, ce qui fait que pour y arriver à ce niveau, certains patients trouvent un peu la distance longue, ce qui fait que certains de nos patients préfèrent une fois aller en ville parce que la distance pour arriver ici est un peu longue. Bon, concernant aussi les infrastructures, nous avons quelques difficultés dans le matériel. Déjà, nous n'avons pas l'ambulance ici. Parce qu'il y a deux fois les cas de complications, peut-être la nuit, pour accompagner ou bien pour référer ce patient au niveau de la ville, surtout la nuit, on a un peu de difficultés à ce niveau. Si à notre niveau, on avait peut-être une ambulance, ça pouvait un peu nous aider à accompagner à temps, surtout nos patients dans des formations. Je veux dire à l'hôpital régional, je veux dire l'hôpital de référence. Donc, en quelque sorte, c'est ça nos difficultés que nous rencontrons ici dans cette formation sanitaire. Concernant l'équipement, je pourrais dire que nous sommes suffisamment équipés selon le niveau de notre formation sanitaire. Nous sommes vraiment équipés. Déjà, même si tout à l'heure nous allons faire les tours, au laboratoire nous avons assez de matériel, on a même l'automate qui nous permet d'effectuer la NFS que nous on n'en trouve pas généralement partout dans les formations sanitaires. En maternité également, nous sommes équipés avec même une table chauffante pour les enfants qui naissent avec une hypothermie. Donc dans l'ensemble, le plateau technique est un peu s'est équipé à notre niveau selon les normes de formation sanitaire. Et je suis M. Fora, censeur au lycée de Gadamabanga, dans ce quartier. Je suis venu dans ce centre de formation sanitaire parce que très accueillant, propre, et le personnel est beaucoup plus dynamique, et en posant le diagnostic exact. Et nous sommes satisfaits du service rendu. Nous sommes ici à la grotte mariale de la paroisse Saint-Pierre de Gadamabanga en Gaoundéré. C'est une grotte qui est toute récente. C'est en juin qu'il y a eu la première bénédiction pendant la dédicace de l'église paroissiale. Mais cette grotte mariale est encore en plein chantier, comme vous pouvez le constater. Et nous sommes en train d'essayer de collecter les moyens nécessaires
pour finaliser les travaux. Mais déjà, nous l'utilisons. Les chrétiens y prient. Et le samedi matin, la messe a lieu ici. Et nous célébrons à l'honneur de la Vierge Marie. Christ. Prêtre de l'archidiocèse de Douala, en mission ici en Ngaoundéré depuis 4 ans. Je commence depuis août, j'ai commencé depuis août dernier, ma 5e année de mission. J'ai été ordonné prêtre à Douala le 6 décembre 2014. J'ai vécu en Ngaoundéré par le passé, avant d'entrer au séminaire. Et quand Monseigneur Samuel Cléda m'a dit qu'il m'envoyait en Ngaoundéré, j'étais surpris. Mais c'était une belle surprise, j'étais heureux. Parce que je voulais, même sans le dire, redonner un peu à Ngaoundéré ce que Ngaoundéré m'a donné pendant les années où j'ai fréquenté Ngaoundéré, où j'ai été à l'école, où j'ai cheminé dans le groupe vocationnel. Donc pour moi, c'était comme un retour à la maison et une grande joie de venir servir ce peuple que j'ai aimé, qui m'a aidé et qui m'a formé. Il y a très peu de prêtres, il faut le dire là, de ce Ngaoundéré. Le seul Ngaoundéré a un véritable problème de prêtres, le nombre de prêtres est réduit et le diocèse est assez dense. Donc chaque fois qu'un nouveau prêtre arrive, c'est la joie pour les confrères de l'accueillir. Et nous avons tout fait pour nous intégrer parce que nous avons essayé au maximum de vivre comme eux, de ne pas venir avoir une attitude autre que l'attitude qui est propre au milieu. Donc la simplicité des moyens, nous avons accepté cela et nous nous sommes mis au service directement de nos confrères et du peuple de Dieu qui était à notre sollicitude pastorale. Et la première mission a été délicate, c'était la mission des économes du diocèse de Ngaoundéré. Et là, je crois que nous avons essayé au maximum d'être au service de ces confrères, de ces prêtres, qui aujourd'hui restent nos amis, nos frères dans la mission. Dès mon arrivée, l'évêque m'a confié la charge d'économe du diocèse, économe procureur du diocèse de Ngaoundéré. Cette charge, je l'ai exercée pendant 3 ans auprès de lui,
cumulativement avec d'autres charges comme coordinateur du bureau pastoral diocésain, une charge que j'exerce jusqu'à aujourd'hui, et aussi pendant 2 ans, administrateur d'une paroisse, la paroisse Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus de Nyambaka, qui est à environ 100 km de Ngaoundéré. J'y allais le week-end pour desservir ce peuple qui est un peuple aussi dynamique. Et depuis bientôt un an, nous sommes responsables en curé de la paroisse Saint-Pierre de Gadamabanga, après avoir passé quelques mois à la cathédrale de Ngaoundéré comme chargé d'accueil, et puis aussi depuis lors aumônier du collège de Mazonote. Comme une chance, comme une grâce, mais aussi comme une grande confiance. Parce qu'il faut bien le rappeler, cette paroisse a été dirigée pendant 10 ans par notre père évêque quand il était économe diocésain. Donc c'est une paroisse qui est dans le cœur même de l'évêque. Et nous confier une pareille charge montre tout l'intérêt que l'évêque a pour nous. Et il m'a dit, Douala désormais aura une paroisse. L'archevêque l'a demandé, et il y a un confrère qui arrive avec qui tu vas travailler. Vous allez mener le peuple de Dieu qui est là-bas, en le faisant en communion avec les prêtres du diocèse et avec moi-même. Et je crois que c'était ça. Et à mon installation, que lui-même il a présidé ici, toujours au mois d'octobre 2021, il m'a rappelé quelle était ma mission, c'est-à-dire de diriger ce peuple en étant un père, en tenant compte de la jeunesse de la paroisse et en donnant le maximum de moi-même pour que ce peuple grandisse dans la foi et dans son autofinancement. C'est ce que nous essayons de faire, tant bien que mal, depuis lors. Il faudrait tout simplement déjà dire dès le départ que la paroisse a 9 CEV, communauté ecclésiale vivante assez dynamique, qui siège ou qui prie les mercredis après-midi à partir de 16h. Et cette paroisse aussi a 17 mouvements et groupes d'action catholique. Je ne voudrais pas tous les citer ici, mais c'est le mouvement qu'on retrouve dans presque toutes les paroisses, les hommes catholiques, les femmes catholiques, les dames apostoliques, la Légion de Marie et autres. Et ces mouvements animent la vie de la paroisse. Nous avons des structures, comme toute paroisse, les conseils, avec un copas caritas, et les autres structures qui caractérisent toute paroisse. Mais les groupes ethniques ici sont vraiment multiples. Nous avons une 20aine de groupes ethniques qui sont constitués et qui se réunissent régulièrement. Il s'agit déjà des grands groupes ethniques du Grand Nord. Entre autres, nous pouvons citer les Mundans, les Tupuri, les Giziga, ainsi de suite. Mais aussi les groupes du Grand Sud. Nous avons la communauté Béti, la communauté Bamileke et autres. Et ces groupes-là travaillent main dans la main. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Et nous sommes dans la dynamique d'une église synodale qui marche ensemble malgré nos disparités. Au lieu d'être pour nous des points de division, nous travaillons pour que ces disparités soient des points de communion et de synodalité. C'est un peu ainsi que nous fonctionnons. La pastorale est structurée de plusieurs manières, mais déjà les charges sont divisées entre le curé et le vicaire. Les chrétiens ont été informés de la répartition des charges. Le curé a des CEV qui l'encadrent, le vicaire a des CEV qui l'encadrent. Ainsi que les mouvements ont été répartis entre le curé et le vicaire pour l'encadrement et le suivi. Et nous sommes bien soutenus dans cette tâche par les structures du conseil pastoral. Nous avons dans le conseil pastoral des responsables de chaque grande structure, liturgie par exemple, le suivi des malades, la caritas et autres. Ils nous soutiennent énormément dans l'encadrement pastoral. C'est ainsi que le conseil se réunit régulièrement pour faire le point des activités menées et programmer les activités à venir. Jusqu'à présent, nous fonctionnons selon un plan pastoral que nous nous sommes donné nous-mêmes après avoir évalué le plan pastoral de l'année dernière. Et nous avons un budget provisionnel que nous avons nous-mêmes voté en tenant compte de la vie de la paroisse depuis quelques années. Sur cette base, nous avançons en évaluant au fur et à mesure les activités aussi bien au niveau pastoral qu'au niveau économique. Économique. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous aide, malgré la modicité des moyens, nous avançons. Les prêtres en charge d'une paroisse ont aussi la charge de suivre les structures catholiques qui s'y trouvent. C'est pour cela que régulièrement nous descendons sur le terrain pour nous rendre compte de l'effectivité du travail qui est mené. Nous devons être le regard de l'évêque dans ces structures, le regard du secrétaire d'éducation, le regard même de la coordinatrice de la santé sur le plan diocésain. Et nous leur rendons compte au fur et à mesure s'il y a des difficultés et qui relèvent de notre compétence ou de leur compétence. Mais chaque mois, pour les écoles, nous avons une célébration eucharistique
c'est programmé le dernier vendredi du mois. Et le suivi aussi des élèves et des enseignants se fait de la même manière. Ils sont à notre disposition et nous sommes à leur disposition. Donc à tout moment, ils peuvent nous rencontrer pour des problèmes spirituels et autres. Et nous avons cette lourde tâche de les encadrer aussi à ce niveau. Parfois, donc, nous organisons même pour le personnel des moments de spiritualité. Voilà un peu comment nous fonctionnons avec ces structures-là. Monseigneur Samuel m'avait dit, je serai probablement avec un confrère, peut-être pas pour la première année, mais peut-être pour la deuxième année. J'ai attendu pendant 4 ans, et chaque fois que je le voyais, je lui demandais, Monseigneur, quand mon confrère? Parce qu'à deux, on est plus fort que seul. Et j'ai été très content que finalement, il ait pensé l'envoyer. Donc j'ai accueilli l'abbé Jules Bellec avec beaucoup de joie. Et depuis lors, nous faisons communauté, c'est une famille, et ensemble, je crois que nous relevons les défis que je n'aurais pas pu relever seul. Et je crois que c'est une aide très secourable. C'est un frère qui me reconforte et que je reconforte. Et je crois que nous honorerons autant que possible la diocèse de Douala ici, en menant à bien la mission qui nous a été confiée. Je crois que cette question, moi-même, je me la pose. Hein, comment je fais pour m'en sortir? Je ne peux pas donner une explication claire et nette. Je pense à la grâce de Dieu. Je m'organise un peu, ce n'est pas facile, parce qu'au-delà des charges que j'ai citées, il y a d'autres charges que l'évêque m'a données. Je ne voudrais pas toutes les citer, c'est parce que je risque d'oublier. Mais je crois qu'avec une certaine organisation, mais surtout la grâce de Dieu, j'essaie au maximum de me donner. Parce qu'en plus, il faut le dire, l'archevêque a demandé que je continue avec mes études en thèse doctorat. Donc, je me demande comment je fais. Mais je crois que c'est seul Dieu sait. Mais l'aide aussi de mon confrère qui est venu m'aide maintenant à être un peu plus efficace, malgré les multiples charges. Aussi le soutien des chrétiens. Les chrétiens m'encouragent beaucoup ici, beaucoup. Ils savent comment je peine quelquefois à mener toutes ces tâches. Et les encouragements m'amènent à ne pas baisser les bras, à ne pas me décourager et à aller de l'avant. Je crois que c'est un peu ça que je peux dire par rapport à cette question. Et je salue, je profite pour saluer, comme vous l'avez évoqué, les chrétiens de la paroisse Saint-Charles-Louange de Bépanda à Douala. Ils restent ma famille et ils sont au fond de mon cœur. C'est le temps qui me manque de venir leur dire le bonjour. Mais qu'ils sachent que je les aime, je prie pour eux et je sais qu'ils prient pour moi. Merci pour ce travail magnifique que la radio-télévision Veritas fait pour l'évangélisation du peuple de Dieu, pas seulement de Douala, mais du Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos activités et qu'il fasse que cette radio grandisse et grandisse encore. C'est notre souhait. Nous souhaitons qu'un Ngaoundéré soit inondé par les ondes de la radio-télévision Veritas et nous comptons sur vous. Mais les communautés sont multiples, comme je disais à Monseigneur dans la nature. Et vraiment, vous le voyez. Massa, Moundan, Tukoni, Meti, Bamiliki. Idad. Chacun va le faire. On t'a pas oublié. C'est une communauté qui a 9 CEV. 9 CEV dans la paroisse, 17 mouvements et groupes. On a deux postes. En fait, on a un poste plus le centre, une chapelle. Et nous avons les structures complètes d'une paroisse avec une école primaire. La directrice est là. L'école maternelle, la directrice est là, voilà les deux directrices, l'école primaire maternelle, un centre de santé avec un chef de centre, télévision, mais peut-être en même temps de faire le
quasiment tout le monde voit en tête et toutes ces choses-là. Et puis nous sommes heureux de vous accueillir, même si c'est pour quelques minutes. Merci, monsieur. Ok, je suis heureux d'être là au milieu de vous. D'abord, merci d'être venu, même si vous avez été informé au dernier moment. Donc, vous avez quand même pu vous libérer pour être là. Et comme vous le savez, tous les évêques sont ici. Donc, je dis voilà, je profite vraiment de cette occasion pour venir vous saluer, passer un petit moment avec vous, puisque j'ai mes deux prêtres qui sont avec vous ici, parce qu'il existe, n'est-ce pas, une coopération missionnaire entre les deux églises, l'archidiocèse de Douala et le diocèse de Nandéré. C'est sûr que Achille a mis plus longtemps tout seul, mais j'estimais qu'il fallait qu'il soit à deux, et nous avons discuté, analysé la situation avec Abo. Voilà pourquoi la situation nous a envoyé un deuxième prêtre. Donc, ce qui fait que maintenant vous avez, n'est-ce pas, deux prêtres sur place. C'est dire aussi vraiment d'être dans le diocèse et non derrière. Mais aussi, vous avez en même temps l'occasion, n'est-ce pas, de penser à nous, l'archidiocèse de Douala. Et c'est une joie pour nous, n'est-ce pas, d'être au service ici du diocèse et non derrière. Pour dire que, en fait, nous sommes très contents de vous envoyer, n'est-ce pas, cette équipe. C'est Dieu prêt pour travailler avec vous. Nous essayons autant que possible de les accompagner pour qu'ils soient vraiment à votre service. Parce que le prêtre, un serviteur, il est là pour vous. Quelques fidèles. Et maintenant, ce que je vous demande, beaucoup prier pour eux, pour qu'ils puissent répondre, n'est-ce pas, avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de, même avec beaucoup de sacrifices à leur mission. Parce que leur mission, c'est de vous faire connaître Jésus-Christ. Non seulement ça, ils sont vos frères, ils sont vos fils. Donc je vous invite, n'est-ce pas, à veiller particulièrement sur eux, à établir entre vous et eux une bonne relation de fraternité et une bonne relation d'amitié. Parce qu'ils sont ensemble de près, ils sont à votre service. Mais vous avez le devoir de les accompagner. C'est cela que je demande. Alors nous aussi, de notre côté, voilà, nous prions pour vous. En priant pour eux, nous prions pour vous, pour que cette coopération porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que il vous amène à rencontrer vraiment Jésus-Christ. Voilà. Donc maintenant, nous allons prier ensemble, Dieu notre Père, nous confier à Dieu notre Père, également à la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qui veille à chaque instant de notre vie sur chacun d'entre nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai aussi la joie de vous présenter deux prêtres de voilà. Le premier est venu avec nous pour le séminaire. Il est à la formation de journaliste. Le deuxième est à Yahwa. Il est en mission là-bas depuis 5 ans. Oui, depuis 5 ans, il est allé travailler aussi dans le diocèse de Yahoo. Donc voilà. Vous voyez, maintenant, autrefois, vous voyez, nous, on recevait ces missionnaires qui nous venaient de l'Europe, des États-Unis. Mais aujourd'hui, cette coopération missionnaire-là existe, n'est-ce pas, à l'intérieur de notre propre Église. Ça veut dire qu'on ne sait jamais si l'on pourra un jour, n'est-ce pas, nous envoyer quelque prêtre. Donc, vous priez pour cela. Voilà. Merci. Mais l'Église est avant tout missionnaire, c'est-à-dire elle doit tout faire pour annoncer partout l'Évangile. Alors, ce qui est tout à fait normal, si j'envoie, n'est-ce pas, des prêtres, n'est-ce pas, dans d'autres églises particulières qui me le demandent. Donc, c'est tout à fait, c'est une fierté, n'est-ce pas, pour l'archidiocèse de Douala d'envoyer des prêtres ailleurs, pour aider ailleurs, et pour voir, voilà, pour la cause donc de l'Évangile. Et nous essayons autant que possible, n'est-ce pas, d'accompagner ces prêtres-là qu'on envoie dans les autres diocèses, les autres églises particulières. Donc ici, donc nous sommes en Yaoundéré, mais vous savez, nous venons d'en parler. Nous avons aussi, n'est-ce pas, deux prêtres à Yahwa. Donc vous voyez, ça c'est notre mission. Ça c'est justifié par l'Évangile, Mais on manquerait à notre mission si on n'envoyait pas, n'est-ce pas, des prêtres ailleurs. Étant donné que nous, à l'heure où nous sommes à Douala, vous le savez bien, nous recevons beaucoup de prêtres aussi d'ailleurs, ou de prêtres diocésains comme Fidé de Noum, ou bien des prêtres missionnaires, n'est-ce pas, dans l'archidiocèse de Douala. Mais il nous revient à nous aussi de partager, d'envoyer, n'est-ce pas, d'autres prêtres ailleurs. Voilà ce que nous faisons, nous répondons vraiment là à notre mission. Oh, ouais, mais c'est simple, qu'ils soient de vrais témoins, qu'ils se sacrifient pour l'annonce de l'Évangile. Vrais témoins, qu'ils soient vraiment au service des fidèles auprès de qui ils sont envoyés. Surtout ça, vraiment être de vrais prêtres. C'est ce que nous envoie, de vrais témoins de Jésus-Christ. Pas de scandale, rien du tout, mais montrer qui est Jésus-Christ par leur travail, par leur style de vie. C'est cela que nous attendons. Et que ça soit, n'est-ce pas, c'est important, mais nous devons être heureux d'entendre que, voilà, nos prêtres travaillent bien ici, que ce soit ici, en Yaoundéré, ou que ce soit, n'est-ce pas, à Yahwa.
Voilà. Monseigneur, le modérateur et la modératrice de la paroisse. Le modérateur et sa femme, nous n'appelons plus la modératrice. C'est M. Chatuit qui et c'est lui qui mène les travaux du centre pastoral Jean Paquet. C'est lui qui depuis dirige les travaux vraiment. Là-bas. Donc ils ont un mot pour ça. Et ça, ça coûte moins cher. Vas-y. fais. Parce que c'est un chrétien quand même. C'est l'un des nôtres. J'ai l'impression qu'ils nous ont quelque chose avant qu'on ne parte. Monseigneur, ce n'est pas grand chose. Mais au nom de tous les chrétiens de la paroisse, il y a des moments là. Nous devons passer. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est de la bonne. On va ouvrir, on va voir. Oui, c'est que ça. Oui, on a un château Barès. Voilà, voilà. C'est El Castillo. Castillo, oui. Ça, c'est quand même un moyen de gamme. Ah oui. C'est un moyen de gamme. On s'est bien connu. J'espère que ce n'est pas Bonaberry. Ah non, non, non. Ça, je crois que... Ça vient de là où vous êtes. Nous n'avons rien aussi, mais on donne aux autres. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient jaloux de Monseigneur qui nous voilà. Un petit souvenir. Voilà, Digada. Monseigneur, vous avez bien pris le vin de sa carte. C'est vous manqué. Une fois qu'on vous ici. Comment? Vous avez pris la grenade une fois au carrefour ici, là. Vous avez garé, vous êtes vous avez pris le mouton carré. On était ensemble, c'était pour le voyage charité, pour l'anniversaire du père Biroué. Ah oui, oui, oui. On était là ensemble chercher du vin quelque part, c'était chez lui. Il est venu avec l'été là. Ah, c'est du vin. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télévision Veritas, ainsi s'achève notre visite à la paroisse Saint-Pierre de Gada Mabanga dans le diocèse de Ngaoundéré. Au cours de cette visite, nous avons eu la visite surprise de Mgr Samuel Cléda qui est venu rendre une visite de courtoisie à ses deux prêtres en signe de sa sollicitude paternelle. Mgr Samuel Cléda, comme tout pasteur, a voulu confier cette communauté chrétienne entre les mains de Dieu en leur accordant une bénédiction. Et par la récitation du Notre Père, il a voulu que notre Seigneur Jésus-Christ continue toujours à veiller sur ses chrétiens, à les guider et à les accompagner dans leurs différentes activités. La population chrétienne ici rassemblée est tellement fière de voir la visite de ce serviteur de Dieu qui vient au nom du Seigneur pour leur combler de grâce et d'abondance bénédiction. Nous nous remettons entièrement à vous et nous vous demandons de continuer toujours à prier aussi pour cette jeune communauté afin que, comme toutes les autres communautés, qu'elle marche sous le regard de Dieu. Ici, on participait à cette visite guidée de la paroisse Saint-Pierre de Gada Mabanga, l'abbé Corbet Jean-Paul, les techniciens Dena Samuel, Franck Mouna et l'abbé Fongan Noël venant du diocèse de Yagua. Bye.
des talents, il s'agit bien de nous. Toi et moi, mon frère, écoute bien ce message.